Bonjour, namasté. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Diva Yoga. Je suis Valérie Penet, je suis diplômée de la formation professorale Yoga Authenticité depuis une année environ. Et j'enseigne le yoga ici sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour réduire le stress, retrouver son calme. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne séance. Namasté. Namasté. Bonjour, ici Valérie de l'Esprit du Bagnant. Je vous propose aujourd'hui une douce séance de yoga pour évacuer le stress, réduire le stress. Pour cette séance, on aura besoin d'un bloc et d'un coussin ou d'un traversin. Je vous souhaite une belle séance. Namasté. On va commencer la séance couchée pour une belle centration. Donc ici, je m'allonge. Mets mes plantes de pied l'une contre l'autre. Je pousse mes mains vers l'avant. Je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Je viens ici prendre conscience de tous les points de mon corps en appui avec le sol. Ma position est très confortable. Je suis allongée, j'écarte un petit peu mes jambes. Je laisse mes pieds s'ouvrir sur le côté. Les paumes de mes mains sont vers le ciel. Ici, je prends conscience de mes talons, mes mollets, mes cuisses, mon dos, le haut de mon dos, mes bras, le dos de mes mains et l'arrière de ma tête. Et je vais venir trouver ici trois respirations profondes. J'inspire, mon ventre se gonfle. Je fais monter l'air dans ma poitrine. Je suspends mon souffle un instant. Puis j'expire en ouvrant la bouche. Je laisse aller tout ce dont je n'ai plus besoin. À nouveau, j'inspire, je gonfle mon ventre. Je fais monter l'air dans ma poitrine. Je suspends mon souffle un instant. J'expire, bouche entrouverte. Je me libère, j'évacue le stress. J'inspire, je gonfle mon ventre. Je fais monter l'air dans ma poitrine. Et j'expire, je relâche. J'apprécie. Et ici, j'observe les sensations dans mon corps physique. Comment est-ce que je me sens dans mon corps aujourd'hui? Est-ce que je peux ressentir peut-être des tensions, des petites douleurs? J'observe. J'observe mon corps énergétique. Dans quelle énergie est-ce que je me sens? Est-ce que je ressens de l'énergie? J'observe mon corps émotionnel. Dans quelle émotion est-ce que je me sens? Une émotion positive ou une émotion négative? J'observe simplement. J'observe mes pensées. Sont-elles nombreuses, envahissantes? Ou sont-elles déjà en arrière-plan? J'observe sans chercher à modifier. Puis j'observe les sensations au niveau de ma fontanelle, sommet de mon crâne. Je peux peut-être avoir la sensation, l'impression d'être reliée à quelque chose de plus grand que moi.
À nouveau, j'observe sans juger. Puis on va doucement mettre le corps en mouvement avec Apanasana, le dieu des vents. J'inspire, je replie mon genou vers ma poitrine, je l'entoure avec mes mains. Et à chaque expiration, je ramène le genou un peu plus près de mon ventre. J'inspire, je l'éloigne. J'expire, je ramène. J'inspire, je l'éloigne. J'inspire et j'expire en conscience, lentement et profondément, en cherchant à relâcher en particulier le bas de mon dos. Je sens que je masse le bas de mon ventre avec ma cuisse. Et au fur et à mesure, ma respiration s'allonge, s'approfondit. Je relâche. Dans une expiration, j'allonge ma jambe droite et j'observe les sensations. J'observe la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Je peux peut-être avoir l'impression que ma jambe droite est plus longue, plus tonique, plus pleine. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je ramène mon genou gauche sur ma poitrine. Je l'entoure avec mes mains. Je rentre bien le menton vers ma poitrine. Puis j'expire, je ramène le genou vers mon ventre. J'inspire, je l'éloigne. Et je trouve mon rythme. Je laisse ma respiration guider mon mouvement. On va le faire encore une fois. Puis j'allonge ma jambe gauche, j'observe les sensations. J'observe les sensations dans mes jambes, jusqu'au bout de mes pieds. Sensations dans mon dos. Puis on va venir faire la même chose avec les deux genoux. J'expire, je ramène les deux genoux vers mon ventre. J'inspire, je les éloigne légèrement. Et à nouveau, j'expire. Je laisse aller la détente dans le bas de mon dos. La respiration guide mon mouvement. J'inspire et j'expire en conscience. Encore une fois. Puis je vais venir allonger ma jambe gauche. Je la garde flex, mon pied bien flex, bien tendu. Je pense à rentrer le menton. Et je garde simplement le genou droit sur mon ventre, sur ma poitrine. J'inspire et j'expire lentement et profondément. Puis je viens relâcher toute tension dans ma jambe gauche et j'apprécie. J'allonge ma jambe droite. J'observe les sensations, la détente que je ressens dans mes jambes et dans le bas de mon dos. Puis je ramène le genou gauche sur ma poitrine, je l'entoure.
et je garde ma jambe droite, le pied flex, la jambe contractée. J'inspire et j'expire en conscience, lentement et profondément. Puis je relâche la contraction de ma jambe droite. Je dépose ma jambe au sol et je dépose ma jambe gauche. Oh, j'apprécie. Puis je vais venir dans le bébé heureux. Je ramène mes genoux sur la poitrine. J'attrape les bords externes de mes pieds. Et je dépose tout mon dos au sol. Mes bras sont à l'intérieur de mes jambes. Je laisse tout mon dos se déposer, se relaxer. Et je visualise l'image d'un bébé heureux dans cette position. Tient ses pieds avec ses petites mains. Son visage est heureux et je laisse monter un grand sourire sur mon visage. Sourire qui part de mon ventre, qui traverse ma poitrine et qui vient sur ma figure, sur mon visage. Puis je relâche mon bébé heureux, j'allonge mes jambes au sol. J'apprécie. Puis ici, je vais venir déposer mes deux pieds bien à plat au sol. Mes genoux écartés de la largeur de mon bassin. On va venir dans le pont supporté. J'inspire, je bascule le pubis vers ma tête. Doucement, j'appuie sur mes pieds, sur mes mains. Je soulève le bassin vers le ciel. Je pense à rentrer le menton vers la poitrine. J'expire, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Les fessiers en dernier. Et à nouveau, j'inspire, je monte. Je contracte mes fessiers, mes cuisses. J'expire, je redescends lentement, tranquillement, les fessiers en dernier. Encore une fois, j'inspire, je soulève mon bassin vers le ciel. Et j'expire, je redescends vertèbre après vertèbre. Et pour la prochaine inspiration, je vais attraper un bloc. J'inspire, je soulève mon bassin, je viens déposer mon bloc sous mon sacrum, l'os triangulaire, en bas de la colonne. Et ici, je dépose tout mon corps, j'entre bien le menton vers ma poitrine et j'apprécie. Je n'ai rien à faire à part apprécier la sensation de détente qui s'installe dans mon dos, dans le bas de mon dos. Sensation de donner de l'espace à tous mes organes dans mon ventre. J'apprécie. Puis dans une expiration, je viens doucement soulever mon bassin, enlever le bloc. Et redéposer mon bassin vertèbre après vertèbre et fessiers en dernier. J'allonge mes jambes et j'apprécie. Puis ici, je vais venir dans une torsion. Je ramène mes pieds à plat au sol. Je ramène les genoux sur ma poitrine.
et je viens rouler sur un côté. Ici, ma jambe qui est sur le dessus va venir se déposer à plat sur un bloc. Mes bras sont en chandelier. Je tourne la tête du même côté que la jambe du dessus. Si mes cervicales le permettent, sans tension, sans douleur, doucement, je roule la tête de l'autre côté. Je laisse tout le bas de mon dos se décontracter. Dans une expiration, doucement, je vais changer de côté. Je change le bloc de côté. Je viens déposer mon pied sur le bloc, les bras en chandelier. Et je tourne la tête du côté opposé. J'apprécie la douce torsion que je ressens dans le bas de mon dos. Je reviens dans l'axe, je ramène mes genoux, je ramène mon bassin et ma tête. J'allonge mes jambes un instant et j'apprécie, j'observe les sensations. J'apprécie la détente, je ressens dans tout mon bas du dos, dans mes jambes, jusqu'à la plante de mes pieds, dans le creux de mes mains. Je vais très doucement rouler sur un côté, prendre appui sur une main pour retrouver une position assise, confortable. Ici, je vais m'asseoir sur un bloc. On va venir dans Nadi Shodhana, la respiration alternée. Nadi Shodhana, on va alternativement boucher la narine droite avec le pouce droit et boucher la narine gauche avec l'annulaire droit. La main gauche est en Chin Mudra, pouce et index ensemble, posé sur le genou. On bouche la narine droite, j'inspire avec la narine gauche. Je bouche ma narine gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je suspends mon souffle un instant. Je bouche la narine droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je suspends mon souffle. J'expire à droite. J'inspire à droite. Je suspends mon souffle. J'expire à gauche. Chacun va trouver son rythme d'inspire et d'expire. Une narine à la fois. On va faire encore deux cycles. Puis nous finirons en expirant par la narine gauche. Ma respiration s'approfondit, s'allonge.
que lorsque j'aurai fini, je viens en Chin Mudra de la main droite, pousser index en contact. Et ici, j'inspire par mes deux narines. Je suspends mon souffle un instant. Et j'expire par les deux narines, lentement et profondément. À nouveau, j'inspire. J'expire. Et j'observe les sensations. Les sensations dans mon corps physique. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je ressens toujours des petites tensions ou pas? Dans mon corps énergétique, est-ce que je sens pétiller la vie en moi? Je peux peut-être ressentir des sensations dans les plantes de mes pieds, dans les paumes de mes mains, au sommet de ma tête. Dans quelle émotion est-ce que je me sens? Est-ce que c'est la même que tout à l'heure ou est-elle différente? Et j'observe mes pensées, sont-elles toujours aussi nombreuses? Ou sont-elles en arrière-plan? Je peux même avoir l'impression qu'elles ont disparu. Puis je me pose sur ma fontanelle au sommet de mon crâne. J'observe les sensations. Je peux avoir la sensation d'être reliée par le sommet de mon crâne à quelque chose de plus grand que moi. Puis j'observe la détente que je ressens dans mon corps, dans mon esprit. Puis je viens doucement rouvrir mes yeux en regardant d'abord le sol, puis je remonte le regard. Puis on va sortir de cette position d'assise en venant à la position 4 appuis. Mes poignets sont sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches. Ici, je vais venir dans le chat et la vache. J'expire doucement, j'arrondis mon dos. Et j'inspire, je l'étire, j'allonge, je ne cambre pas. J'étire simplement mon dos loin. Puis j'expire, j'arrondis. J'inspire, je m'étire. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je m'étire. Puis je vais venir ici dans la guirlande, Malasana. Je viens retourner mes orteils, pousser mes genoux vers l'arrière, écarter un petit peu mes jambes et ici m'asseoir sur mes talons, le dos bien droit. Si mes talons ne touchent pas le sol, je viens déposer un petit bloc sous les talons, sous chaque talon. Et sinon, j'enlève le bloc. Et j'apprécie. Mes coudes poussent pour ouvrir mes genoux. J'apprécie la détente dans le bas de mon dos. Puis je vais relâcher la posture, je viens attraper mon traversin. Je le dépose devant moi, j'écarte mes jambes. Je m'assois sur mes talons, je viens un dos très très long. Et je viens m'allonger sur le coussin.
La tête d'un côté, je relâche le bas de mon dos, j'apprécie. J'observe ma respiration qui se trouve dans mon dos. Puis très doucement, je tourne la tête de l'autre côté. Et dans une expiration, je ramène la tête dans l'axe. Je pousse sur mes mains, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On va venir dans une douce torsion sur le coussin. Je m'assois, les genoux du même côté. Je monte mon dos très long, je pivote vers le coussin et je descends. Puis je tourne la tête du même côté que mes genoux. J'apprécie la douce torsion du bas du dos. Dans une expiration, si mes cervicales le permettent, très doucement, délicatement, je tourne la tête de l'autre côté. Je ramène la tête dans l'axe. Doucement, je puis sur mes mains. Je déroule mon dos. Et on va changer de côté. J'amène le traversin au niveau de ma hanche. Mes genoux sont du même côté. Je pivote vers mon traversin. Et je descends. Je tourne la tête du même côté que mes genoux. J'apprécie. Je me relaxe dans mon coussin. Puis très doucement, délicatement, je soulève ma tête et je pivote de l'autre côté. Dans une expiration, je ramène la tête dans l'axe. J'appuie sur mes mains. Je me redresse. Et je retrouve une position assise, confortable. Je prends un temps d'écoute. J'observe les sensations dans ma colonne vertébrale, comme si mon dos était plus long, plus droit, plus détendu. Et ici, on va venir doucement entre-ouvrir nos yeux, regarder en bas, puis regarder plus haut. On va venir dans le chat de l'aiguille. Trouver une belle torsion de la colonne vertébrale. Je suis assise. Je suis dans la position 4 appuis. Main bien à plat au sol. Bien en appui sur mes genoux. J'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. Et j'expire, je viens placer mon bras droit, mon épaule droite au sol. Le regard est vers le genou gauche.
Ici, je suis en appui sur mes genoux et sur mon épaule, pas sur mes cervicales. J'apprécie cette torsion. Si je ressens un inconfort, une douleur, je sors de la posture. Dans une expiration, je défais la posture. Je reviens en quatre appuis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Et j'expire dans l'aiguille. Le regard vers le genou droit. Bien en appui sur mes genoux, sur mon épaule gauche et pas sur mes cervicales. Dans une expiration, j'appuie sur la main droite, je déroule mon épaule gauche. Et je vais m'asseoir sur mes talons et apprécier la posture du diamant. Si cette posture n'est pas confortable pour moi, je peux venir glisser un bloc ici, m'asseoir sur le bloc. J'apprécie les sensations, la détente. Puis je vais venir doucement au sol à nouveau. Je viens m'asseoir sur mes fessiers. Plante de pied l'une contre l'autre. Je pousse les mains vers l'avant. Je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Je viens retrouver le contact avec mon corps et le sol. Je reprends conscience de tous les points de contact de ce corps avec le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, le dos, les épaules, les bras, le dos des mains et l'arrière de la tête. Et ici, je vais imaginer au sommet de ma tête une sphère lumineuse remplie d'une douce lumière blanche, chaude, douce. Et je visualise, j'imagine un fil d'or sortir de ma fontanelle au sommet de mon crâne et aller vers la sphère lumineuse. Et c'est par ce fil d'or que je vais recevoir toute cette lumière blanche, douce et chaude, qui va venir détendre chaque cellule de mon corps. Je ressens la chaleur, la douceur, la blancheur au niveau de ma fontanelle. Puis je sens toute cette détente envahir toute ma tête, descendre dans ma gorge, dans ma poitrine, dans mon ventre. Elle vient détendre et nourrir chacun de mes organes dans mon ventre. Puis je ressens cette lumière, cette chaleur, cette douceur descendre dans ma jambe droite, dans la cuisse, dans le mollet, dans la plante de mes pieds, sur le dessus de mes pieds et dans chacun de mes orteils, de mon pied droit, dans le pouce, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Je sens la chaleur se diffuser dans ma cheville, dans mon mollet, dans mon tibia, dans mon genou, dans ma cuisse,
sur le dessus de ma cuisse, le dessous, le côté et l'intérieur. Je sens cette chaleur se diffuser dans ma hanche droite, puis dans ma hanche gauche. Elle se diffuse dans ma jambe gauche, dans la cuisse, le mollet et jusqu'à la plante du pied. Je la ressens sous la plante de mon pied gauche, sur le dessus de mon pied gauche et dans chacun de mes orteils à gauche, dans le pouce, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Elle se diffuse dans ma cheville, dans mon mollet, dans mon tibia, dans mon genou, dans ma cuisse gauche, le dessus, le dessous, le côté et l'intérieur. Je la ressens qui descend dans chacun de mes bras, dans mon bras droit, mon épaule droite, le haut de mon bras droit, mon avant-bras droit, dans la paume de ma main droite. Je la sens dans la paume de ma main droite. Je sens cette chaleur, cette douceur, cette lumière. Je la sens sur le dessus de ma main droite et dans chacun de mes doigts, dans mon pouce, mon index, mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire. Je la sens dans mon poignet, dans mon avant-bras, dans mon coude, dans mon bras, dans mon aisselle à droite, dans toute ma cage thoracique à droite, dans tout mon buste à droite, jusque dans ma hanche droite. Je la ressens se diffuser dans mon bras gauche, dans mon épaule gauche, dans le haut de mon bras gauche, dans mon avant-bras gauche, dans ma main gauche. Je la ressens dans la paume de ma main gauche, sur le dessus de ma main gauche et dans chacun de mes doigts de la main gauche, le pouce, l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Je la ressens, je la perçois dans ma main gauche, dans mon poignet, dans mon avant-bras gauche, dans mon coude, dans le haut de mon bras gauche, dans mon aisselle à gauche. Je la ressens dans ma cage thoracique à gauche, dans tout mon flanc gauche, jusque dans ma hanche gauche. Puis je la sens se diffuser dans toute ma nuque, mes vertèbres cervicales et dans chacune de mes vertèbres. Je ressens cette chaleur, cette blancheur, cette lumière dans chacune de mes vertèbres. Elle descend jusqu'à mon coccyx. Elle me remplit, me nourrit. Je la ressens dans mon visage. Elle fait relâcher mes mâchoires et ma langue dans ma bouche. Elle relâche mes lèvres, mes narines, mes joues, mes paupières, mes sourcils. Elle lisse mon front. Elle se diffuse dans tout mon cuir chevelu et dans mes oreilles. Se diffuse à la base de mon crâne. Je me sens remplie, nourrie de cette lumière blanche, chaude, qui détend chaque cellule de mon corps. J'apprécie.
Je vais doucement revenir ici et maintenant, remuer mes pieds, mes mains. Doucement, laisser ma tête pivoter de gauche à droite et de droite à gauche. Puis je viens m'étirer, amener mes bras loin derrière moi. Apprécier, relâcher. Bâiller, soupirer. Je viendrai doucement plier mes genoux, les ramener sur ma poitrine et doucement basculer de gauche à droite et de droite à gauche, comme pour masser le bas de mon dos. Je viendrai doucement basculer sur un côté, prendre appui sur une main et me redresser doucement. Vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Je viens m'asseoir confortablement sur un bloc. J'apprécie les sensations, la détente que je ressens dans tout mon corps. Je viens doucement joindre mes mains sur ma poitrine et pousse sur mon cœur. Et j'incline ma tête vers mes mains pour saluer la merveilleuse lumière qui est en moi. Namasté. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Voilà, j'espère que cette séance réduction du stress vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur le petit pouce en dessous et de vous abonner à la chaîne de Diva Yoga pour recevoir d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.